Dans les années 40, c'est Henri Taki, mon père, qui s'est installé comme à l'époque, on ne disait pas négociant pneumatique, marchand de pneus, réparateur de pneumatiques, et a démarré cette activité-là, comme ça, sur un coin de trottoir dans la vieille ville de Montauban. Ça a pris de l'ampleur assez rapidement parce que mon père était un homme de service et a commencé d'entrer à s'attitrer, à suivre les clients, à les servir comme il faut. Donc très rapidement, il a eu de plus en plus de clients. Et surtout, le pneumatique n'était pas très développé. L'automobile était servi en général par des mécaniciens. Et la spécialité du pneumatique n'avait pas encore démarré. On peut dire qu'Henri Taki a été un des précurseurs dans le domaine avec quelques personnes en France. Et les années passant, l'automobile évoluant, Henri Taki a suivi cette évolution et a toujours eu un temps d'avance sur l'automobile, sur le service automobile et sur ses concurrents. Je suis rentré dans le pneumatique en 1973 et j'ai pris la relève de mon père en 1980 réellement. Je me suis toujours inspiré des valeurs initiales et j'ai essayé de les faire évoluer dans le bon sens, de les pousser le plus à l'extrême possible parce que j'ai toujours pensé que mon père était dans le vrai et effectivement, bon, les années qui passent, les difficultés du moment et ainsi de suite nous donnent toujours raison et c'est avec ces valeurs de qualité, de service que notre entreprise arrive à prospérer. La relation client, c'est la base du commerce, c'est le contact, c'est tout. Et puis en définitive, nos clients, c'est notre entreprise. Et notre entreprise appartient à nos clients. C'est une relation, à la limite, à un moment donné, qui vient pratiquement à une relation familiale. Les objectifs de Taki Pneus sont simples. Hein. C'est un développement régional, c'est un développement réfléchi. C'est un développement qui permettra de garder cette entité familiale le plus longtemps possible et pour ne pas dire pour toujours. Bien évidemment, c'est mon fils qui a tous les éléments, qui a compris l'entreprise et qui est rentré dans l'entreprise comme moi j'y suis rentré. C'est-à-dire, il y est rentré par passion. Nous, dans notre famille, c'est ça. C'est notre métier, c'est notre passion. On parle souvent de violon d'Ingres, d'activité, et ainsi de suite. Nous, notre violon d'Ingres, c'est notre métier, c'est notre entreprise, c'est ce qui nous fait vivre.